Bonjour, je suis avec Jérôme Richer. Alors Jérôme Richer, bonjour, c'est vous qui présentez ce soir le spectacle Star 80. Donc présentez-nous un peu votre compagnie Imagine. Alors, la troupe Imagine, ce sont 12 artistes sur scène, chanteurs, danseurs, hein, donc tout le monde chante et danse, donc tout est interprété en direct, et c'est un show de 1h30, effectivement très intensif, avec à peu près une quarantaine de tubes. D'accord. Alors, vous êtes le fondateur de cette compagnie, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette compagnie Imagine, qui se trouve à Mézos dans les Landes. Alors j'étais artiste, hein, au départ chanteur-danseur, et j'ai eu envie de créer ma propre troupe parce que j'avais mes propres idées et j'avais envie d'exprimer un maximum de choses. Donc j'ai créé ça en 2011 avec mes premiers artistes au départ. Voilà. D'accord, donc c'est un cabaret, Imagine. Imagine, c'est le nom de la troupe. Et effectivement, il y a 2 ans, j'ai créé mon musical qui s'appelle Le Mirage, un bâtiment à peu près de 1400 m². Et on a essayé de faire quelque chose de vraiment très original. Et là, vous présentez des créations à peu près tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il y a un nouveau spectacle. Effectivement, Revue Cabaret, parce que c'est surtout la revue qui tourne énormément au musical. Alors, quel est celui que vous présentez actuellement au Mirage? Alors, actuellement, c'est la Revue Légende. C'est les plus grandes voix, donc les légendes. Donc on part de Marilyn Monroe, de Elvis, pour finir vers Madonna, Mylène Farmer. Donc c'est pareil, ce sont de très beaux costumes parce que tout est créé sur mesure. Hein. On a nos propres ateliers couture, donc c'est ce qui fait aussi la richesse de nos spectacles, c'est aussi les costumes. Et les prochains spectacles que vous allez créer dans 2 ans? Eh bien pas dans 2 ans, c'est à la rentrée déjà, parce que ça fait déjà 2 ans. Et ça s'appellera Paris-New York, ce sera sur le thème des comédies musicales évidemment et du cinéma. Donc on a un large choix avec tout ce qui se fait à Paris, à Mogador, et dans toutes ces salles et évidemment à Broadway. Voilà, c'est à Mézos dans les Landes et je vous assure, c'est pas un mirage. Au fur et à mesure qu'on avance, ça ne disparaît pas.